C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis du Calacata. Pistolet à eau, tu ne crois pas? Moi, je trouve ça très drôle comme ça. Oh. Et voilà, je dois encore porter toutes les courses toutes seules. Merci, mon petit Lucas. Émile, va donc te sécher, tu dégoulines. Et range-moi ce jouet idiot. Comment elle a su que je voulais un double splasher 3000? En plus, c'est même pas mon anniversaire. Ce truc-là est vraiment génial. Avec ça, personne ne sera à l'abri. Fil de fer, fil de fer, fil de fer, 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 fer à cheval, fer à cheval, fer à cheval, cheval. Ah, ouais, double splasher. Lâche ce paquet, Lucas. Oh, il n'est pas pour toi. Hein? Pas pour moi? Et non, c'est un prix pour la kermesse de l'école. Je suis pas d'accord. Il n'est pas question que tu leur donnes mon double splasher. On ne sait jamais, tu le gagneras peut-être. Après tout, tu as les mêmes chances que les autres. Comment ça, les mêmes chances? Oh non, c'est pas juste! Mais écoute-moi, c'est pas juste! Lucas, il me semble t'avoir demandé de trouver quelques affaires à donner pour la kermesse. J'ai pas du tout envie de donner mes jouets. Oh, tu es vraiment insupportable. Non, laisse tomber tout mou! J'ai dit non! Voilà mes jouets, maman. Ça me fait tellement plaisir de les partager avec d'autres enfants qui ont moins de chance. Oh, Émile, tu es sensible et généreux, c'est très bien. Maintenant, j'attends les tiens, Lucas. Oh, d'accord, je vais trouver quelque chose. Soyons bien clairs là-dessus. Ce que j'aime, moi, c'est recevoir. Je ne suis pas d'accord pour donner, mais en y réfléchissant, je crois que je pourrais faire une petite exception. Oh, tu ne vas tout de même pas donner la poupée Jolie Dolly qui parle, chante et fait pipi que ta grand-tante Greta t'a offerte à Noël? Maman, tante Greta pense que je suis une fille. Voyons, celui-ci est pour ma charmante nièce Lucinda. Je m'appelle Lucas, je suis un garçon, tante Greta. Mais non, ce n'est pas un bac à glaçons, ma petite Lucinda. Allons, quelle drôle d'idée. Oh, c'est une poupée. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'une poupée? Ce sera ça ou rien. Merci, Lucas. Très bien. Je ne veux voir aucun de vous deux dans le salon pendant un moment, d'accord? Je m'y suis installée pour faire la carte au trésor des pirates. Quoi? Tu fais la carte ici? À la maison? Il faut bien que quelqu'un le fasse, non? Maman fait la carte au trésor ici, dans notre maison. Eureka! Ce sera facile! À moi le double splasher! Vous allez être sage et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent, pot de colle! Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le
un peu? Oh, ouais, merci. Mais, reviens, Arnaud, arrête-le. Très bien, qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Oh, allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfette, il faut que j'y aille. Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh, je voudrais acheter un billet. Eh oh! Ce n'est pas encore ouvert, Lucas, il faudra repasser. Le voilà, attrape-le. À tout à l'heure. Au suivant, assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous, j'y vais. Oh non, si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un. Et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté. T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Hé, hey, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça, parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Pff, tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh, oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bon, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bon, je sais pas. Ok, ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée. Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile, Émile, reviens ici tout de suite. T'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet. C'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? Ah, 1 euro. 42, enfin. Allez, viens, on va s'amuser. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas le faire. Attention des détenteurs de billets pour le concours des pirates, nous allons annoncer le gagnant. Je file recevoir mon prix. Croyez que je suis sincèrement navrée, Miss Belle Plante. Le billet gagnant est... le billet numéro 42. Ouais. Tu m'as menti, tu me le paieras. Moi, tu m'as dit la vérité. Peur que non, Lucas. Ce billet n'est pas valable pour notre concours. C'est un billet de loterie, vois-tu? Qui a le numéro 42? C'est moi. Pourquoi t'avais 2 billets 42? C'est mon âge en année chien. La vie est vraiment trop désespérante.
Le détenteur du billet de loterie numéro 42 est prié de venir chercher son lot au stand. Merci. C'est moi. Ça alors, j'ai gagné à la loterie. Dégagez. Je vais chercher mon lot. 42, c'est moi qui ai le numéro 42. Toutes mes félicitations, Lucas. Thank you.